1, 2, 1, 2. Je m'entends. Est-ce que je m'entends à côté? Oui, je m'entends. Parfait. Eh ben allons-y, sans plus attendre. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. 3 semaines de vacances. À la fois très bien, trop court. Mais bon, l'argent ne rentre pas tout seul. Le bidouillage ne va pas se faire tout seul. Et donc, cette semaine, on va revenir sur l'installation de Proxmox que j'ai faite juste avant les vacances, justement. Pourquoi? Parce que j'ai été très léger. Je suis allé au plus vite pour qu'on puisse faire une première bidouille dessus. Du coup, j'ai même pas changé de nom par défaut. J'ai... Comment? Le compte pour accéder à l'API, il est directement rattaché au compte root, ce qui n'est pas bon non plus. Et puis on avait eu un souci. La VM Debian, qui avait décidé de pas démarrer, avec un joli kernel panique. Pas compris pour le coup pourquoi on avait décidé de changer. J'avais rapatrié mon template Rocky-Linux 9, et là il est passé tout seul. Donc voilà. Donc on va faire ça. On verra bien. Après, discussion, s'il y a des gens pour discuter. Bonsoir, Or. Merci. Ça va? La planète s'est pas écroulée pendant 3 semaines. Bon, j'ai quand même pas arrêté de geeker sur mon PC, mais. Oh, pas de vraie bidouille. Sens classique du terme. Donc voilà. Alors, plusieurs choses. Premièrement, bah comme il n'a pas été allumé depuis 3 semaines, on va doucement s'amuser à faire les mises à jour. Hop là. Et ces mises à jour, on va faire simple, on va se les faire via l'interface, parce qu'après tout, on peut le faire. Hop. Donc là, forcément, il va nous râler dessus. Obligé. Tac, 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 tac. Il nous a rien dit. Ah, voilà. On a 22 Debian. 10 Proxmox, dont le noyau est tout le tintouin. Donc il va y avoir un redémarrage. On y va simplement. Et on n'a pas besoin de s'embêter à faire de la ligne de commande. Alors je me suis quand même connecté tout à l'heure pour vérifier. Déjà pour retrouver le mot de passe. Parce que j'avais trouvé le moyen de l'oublier. Ça pareil, je le changerai peut-être. On rajoutera une clé SSH aussi pour faire ça bien. Non, pas 1, 2, 3, 4, c'est un peu plus. Quand même, un petit peu plus. Quoi, il y a 11 caractères, c'est pas la mort. Mais. T'avais entendu cette histoire au boulot d'un serveur qui s'était fait éclater parce qu'on avait un admin qui avait dit si la connexion sur le compte root ne fonctionne pas avec un mot de passe, changez-le et mettez Toto. Et sauf que bah, on a découvert que ce serveur-là était exposé sur Internet. Et tout le monde est tombé des nues quand le serveur s'est retrouvé complètement éclaté. Et qu'il a fallu le restaurer et reverrouiller tout ça. Et la mention du changement de mot de passe a disparu du wiki dans la foulée. Quelle surprise! Du coup, voilà, La mise à jour est terminée, c'était assez rapide. Attends, on est sur une bonne connexion fibre. On a du SSD NVMe bien rapido.
Donc ça va, j'ai été déconnecté, donc il est en train de reboot, Pépouze. J'ai pas rebranché le HDMI, donc du coup je peux pas savoir à part attendre. Vérifier quand il va répondre. Bon, voilà, ça c'est fait. Il a redémarré. Si je rafraîchis l'interface. Il a redémarré. Donc voilà. Message. Bonsoir. C'est pas mieux que admin. Ah oui, non, je confirme, c'est pas mieux. Hein, c'est. On est du même niveau. Sauf que les admin, on va retrouver ça par défaut sur des appareils bas de gamme. Voire à une époque des box internet. Mais depuis, et surtout venant de la part de professionnels de l'informatique, c'est quand même. Voilà. L'avantage, c'est que ça arrive une fois. On a de la chance. Et ça n'a pas été aussi grave. C'est-à-dire qu'il y a que le serveur qui avait été exposé avec tout ça, qui s'est retrouvé éclaté. Il n'y a pas eu de propagation dans le reste de la plateforme, ni même au-delà. Donc voilà. Alors, donc comme je disais, je voulais, entre autres, changer son nom. Parce qu'il s'appelle PVE, c'est le nom qui était par défaut dans l'install. Alors, ce qui est cool, c'est que je pensais que ça pourrait être compliqué. Il s'avère que non. Il s'avère que Proxmox se base très fortement sur l'utilisation de Debian. Et donc, il suffit d'aller modifier le nom dans etc/host. Et dans etc hostname. Voilà. On n'a même pas besoin de s'embêter plus que ça. A priori, ici, il y a aussi postfixed qui sert pour les notifications de mail. C'est quoi ça? Je propose de mettre admin et les flux en any. Étrangement, personne n'est d'accord. Bah ça, c'est. Grave pratique le admin. Il y en a marre de taper. Oui, alors c'est comme ça qu'a fonctionné. C'était quoi? C'était Mirai, le botnet qui infectait des caméras de sécurité connectées, qui utilisaient ces mots de passe-là, qui avait d'ailleurs valu derrière. On avait vu, c'était une attaque qui avait été faite contre le réseau OVH. Ils avaient dépassé le terabit seconde, un truc comme ça, c'était assez violent. C'est la première fois qu'ils dépassaient. Il y avait à peu près 140 000 appareils qui tabassaient. Voilà. Parce que mot de passe par défaut. Sympathique, hein? Comme on disait, c'est du Debian. Alors, il nous dit etc host. Etc host. C'est host, on a effectivement un pve.sebastiantis.vh. Je voulais mettre quoi? D'accord, je me suis dit je vais renommer et j'ai même pas réfléchi sur le nom. Ça commence bien. Mais en vrai, ce système de choisir juste après le reset. En fait, ça devrait être par défaut. De la même façon que, typiquement sur un GitLab, tu crées un compte sur un GitLab, même en tant qu'administrateur, si tu définis un mot de passe, l'utilisateur, à la première connexion, il va devoir changer son mot de passe. Et donc, c'est forcément un mot de passe qui lui est propre. Et même toi, en tant qu'admin, tu le connaîtras plus. Et en fait, il faudrait faire ça partout, sur tous les appareils, pour que ce soit bien. Des propals de nom. Non, mais pas forcément. Je réfléchis à ce que je connais un peu. J'ai l'habitude de mettre des noms de planètes.
C'est très original parce que je me souviens avoir vu en visitant les bureaux au boulot de mon père il y a plus de 20 ans, les mecs avaient des stickers avec les noms des stations de travail sur les écrans. Pas Camino, pas Endor, pas Donc ça, vous cherchez. C'est les dons des serveurs. Voilà. Non, mais en vrai, comme il va être remplacé, comme je vais virer l'ancien derrière, je pense que je vais réutiliser le nom. Et je l'aime bien, le nom. C'est Pimousse. Référence de vieux, je vais chercher. C'est pas un nom de planète, mais je trouvais ça rigolo. Si vous avez la référence, vous comprendrez le. Bah, Pimousse, c'est ça, le petit Pimousse, c'était petit mais costaud, la pub. Et le fait est que pour un bazar qui traîne dans ma qui fait la taille de ma main, bon, il est plus puissant que mon laptop, il est pratiquement aussi. Peut-être non, pas pratiquement, parce qu'il n'y a que 4 cœurs, mais que mon PC de bureau. Bon, voilà. Du coup. Là, c'était le hostname. Il nous disait aussi dans ETC mailname. Hop. Alors, il n'y en a pas. Ah. Il n'y a pas de mailname, mais dans postfix, on a le hostname qui endure aussi. Du coup, de toute façon, le postfix, il ne s'est pas envoyé de message extérieur, donc c'est pas grave. If your node is in a cluster, non. Bon, bah c'est bon. Hein. Allez. Re-reboot. Trop de Star Wars. Ah oui, non, mais ça. T'as pas vu la vitrine chez lui. Elle a été réinstallée, la vitrine d'ailleurs, maintenant. Ou pas? Tout le bazar qu'il y avait dedans. Ah. Connection error. Oui, bah oui. Ça va venir, ça va venir. Voilà, il est en train de redémarrer. Il a redémarré. Risque probable de sécurité. Pourquoi? PVE cluster. Oui, parce qu'il a changé de. Il a changé de nom. Évidemment. Hop. Accepter le risque. Oui, j'ai eu la flemme. Dans le wiki, il recommande de déplacer les fichiers de graphes. Pas envie de le faire, on s'en fout. Donc voilà. On est sur un nœud avec le bon nom. Qui a décidé de refaire son le téléphone. Alors. Si on arrive à l'ouvrir, ne pas déranger. Hop, on bazarde. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'avais dit sur la partie utilisateur. Alors. Allons retrouver où c'était. Oh là, alors là, par contre. Système, option. Souscription, application. Ouais, ben ça va pas être au niveau du nœud, ça va être au niveau du data center. Voilà. API token, on avait créé un. On va le delete. Hop. On va créer un nouvel utilisateur. Qui sera que pour Proxmox. Donc celui-là. Il risque pas de. Le username. C'est pour Terraform, donc on va l'appeler Terraform.
Le mot de passe. On a quoi? C'est quoi? Afficher le générateur. Impossible de recevoir le mot de passe généré. Ah bah oui. Oui, pourquoi pas. Bon. On va se faire un autre truc. Non plus. Ça. Hop. On va se faire ça. On va revenir sur l'interface. Alors, ce que j'ai fait. Ah oui, ouais, voilà. Ah, voilà. Il n'a pas mis de mot de passe. Enfoiré. Hop, edit. Je peux... Ah, mais voyons. Si, passe-moi. Ok, c'est là. Hop, hop. Voilà. Ouais. Et je vais me le mettre dans un coin, du coup. Et alors, permission. Non, pourquoi j'ai rien là? Là, si je clique là-dessus, lui il a accès à peu près tout. Lui, il a accès à rien. Pourquoi? Est-ce qu'il a pas de groupe? Non. Non plus. Key ID. Ah ah. J'ai pas de groupe. Non. Bon, on verra bien. Un siphon étanche. Ben voilà. Tu peux le dire à ton beau-père. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, non, c'est pas ça. Alors, je m'éparpille, mais je m'éparpille. Stocker le mot de passe tant que je m'en souviens. Groupie, groupe. Hein. J'ai pas la ref. Ouais. Alors, pourquoi il a accès à rien, lui? Non, c'est parce qu'il a pas de groupe, c'est ça? Ouais, j'ai fait ça bien. Hop. Ah, bienvenue au club. Moi aussi, je suis éclaté. Je dors 3 heures par nuit. En ce moment, ils ont décidé de faire des travaux pour réduire le bruit. Voilà, il n'y a plus. Chiant. Le problème, c'est que si je crée un token...
être très inspiré. Hein. Hop. Alors, Terraform at PVE avec le nouveau machin. Ok. Du coup, si je reviens là-dedans, je fais. Et là, il va gueuler. Parce qu'il a aucune permission. C'est que j'ai pas de bouton pour en ajouter. C'est quand tu quand on crée le truc. Bah non, confirme. Group expire. Ah j'avoue. Comment j'ai fait là-dessus? Je me souviens plus quand j'ai fait. Merde. Ah, la sécurité, la vraie. Proxmox. Seulement, ils font pas de travaux ce soir. Et à la place, on a des moteurs. Alors. J'ai fait. Le user, il est là. Si je l'en permission. Ouais, il a accès à tout, là. Attends, il a pas de groupe. Rôle dédié Terraform. Comment j'avais fait ça? Empire. Hop. Je retente la même, on va bien voir. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'il devait faire ça? Ça va être quoi, on avait de quoi? Power management, data store audit, VM allocate, VM audit, config, ouais. Ah oui, j'ai juré allocate space, ok. Hop, on va faire ça. Voilà. Ensuite. Équipe dédiée, mais pas en France. Ah, je connais ça. Je connais.
la magie de la mondialisation. Du coup, you speak English very well. I think. Bon, j'ai créé mon rôle. Comment je lui affecte le rôle maintenant? C'est bien beau ça, mais j'ai les commandes. Comment j'ai fait de l'autre côté? Ah, c'est ouf ça. C'est quand même fou. Ouais, j'ai raté une connerie quelque part, mais... J'ai créé le rôle. J'ai pas besoin de Realm. J'ai pas besoin de groupe. Mon compte Terraform, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Alors, user management. Oui. Ok. Là, on a les grandes lignes, d'accord. Username mapping, MFA, on s'en fout. Permission management. Ah, alors on y arrive. Et... alors ça, c'est pour créer les rôles, mais ensuite... privilège, oui, d'accord. Ah! Ok, donc, a priori... il faut le faire en ligne de commande. Et... non, moi je veux le savoir comment on le fait avec l'interface web, ça devrait pas être compliqué. Parce qu'on a créé le rôle, ça c'est bon. Non plus. Ça sert à rien. Ouais, bah oui, du coup. C'est normal, là, il n'y a rien. Ah, elle est forte de café, celle-là, mais quand je clique là-dessus, je peux pas en rajouter. Je n'ai pas de bouton. J'ai été obligé de le faire en ligne de commande. Ça va être chiant. Oh, y a ça aussi. Tant que j'y suis.
Hop, plus besoin de taper le mot de passe. Alors. Donc. Non mais c'est bien beau ça. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on crée les rôles. Compliqué cette histoire. Alors. Ça, j'ai compris. Bah, qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Non, mais elle est pourrie, la doc, là. Bon. Bon. Il est comme ça, hein. Alors. Rôle. Ok. User. List modify. User permission. User token permission. Pas assez de doigts. Ah. Voilà, ou... Alors, rôle, privilège, ouais, delete role, ouais, d'accord. Role list. Tourner en rond, ouais, c'est un peu ça. Le pire, c'est que comment j'avais fait. On va voir comment j'avais fait là-dedans. Hein. J'avais fait là. Comment j'ai fait alors du coup? Ça c'est l'installation de Debian. J'ai fait un. Ça c'est les restaurations de machines. Ah, alors. ACL mode. Et du coup, ce truc-là dans l'interface, on l'a où? Parce qu'on n'a pas de...
access control list, on est d'accord. Nulle part. Quoi ça, Realm example. Ouais, on l'a là. Mais oui, d'accord. La dot mentionne pas le... Ça, c'est des vieilles docs. Ouais, ça mentionne pas les ACL. Bon, on va pas insister. On va le faire là-bas. Du coup, j'ai fait quoi? C'était ACL mode slash... Ok. PVE UM ACL ACL mode slash tiret user terraform at PVE et le rôle je l'ai appelé terraform. Je fais comme ça, c'est ça. Dans les lettres en trop. Clairement, si je fais ça, ok. Et donc là, si je reviens là, maintenant je recommence. Toujours pas. Ah. Bon. Je vais recharger un truc. Ce token qui est pas bon, je le fais, je vais peut-être le faire sauter pour le refaire. Je vérifie vite fait. Data store allocate space, data store audit, VM allocate, VM audit, VM clone. Config et power management. Donc ça c'est bon. Le user, si je reprends, là j'ai les permissions qui sont bonnes. Le token me dit que c'est bon. Votre aide nom terraform at PVE le token s'appelle terraform donc c'est bon. Et le token secret c'est celui que j'ai copié. Non, ça merde. Bon, faut peut-être réinitialiser. Non plus. D'accord. Et... Comment j'ai fait du coup? Non, il avait juste créé un... On va virer le token, on va le recréer. Allez, hop, la magie.
recopier le token ID au cas où. J'aurais fait une faute de frappe quelque part. Toujours pas, il est sérieux? Cannot retrieve user list. Ah! Ah oui, donc c'est pas la même chose en fait. C'est que là-dedans, il veut un user list. Il est où? Pourquoi il voudra un user list? Que je n'ai pas d'ailleurs là. J'ai user.modify. Ah non, user terraform has valid credentials. Ok, mais il n'y a pas de privilège séparation. Il n'y est pas. On va voir du coup. On va rajouter le user modify, mais j'y crois pas trop. Ah si c'est ça. C'est un peu con. Alors, un plugin did not respond. Oula. Une heure pour créer un user? Ah bah hey, on est doué ou on l'est pas. Il bug. Alors pour info, hop, l'erreur que j'ai, vous la voyez aussi. J'ai rajouté le truc et ça dit plugin did not respond. Plugin logs may contain. Ouais, mais... Il n'y a pas de plugin là. Je vais juste avoir le binaire ici. Bon. Alors. Non mais comme d'habitude, on avait fait le truc super simple la dernière fois, pas sécurisé du tout, ça marchait. Là, t'essayes de faire les choses proprement et ça va plus marcher. Ce qui est quand même assez dingue. Là-dedans, j'ai rien. Sinon, je refais un token sur le compte route. Hein. Non, mais sérieux. Si j'enlève le user.modify, je fais OK. Est-ce que je vais revenir
Voilà, je reviens à mon erreur de base. Il me dit que le Terraform est bon, mais qu'il ne peut pas récupérer le privilège séparation de l'API token. Ça, c'est fait. Alors, faut que je mette privilège séparation yes, pourtant c'était pas le cas. Et si je fais ça, je fais ça. Oh là là, il n'y a plus rien. Là, si je fais ça, je fais show permission, il a accès à tout. Enfin, il a accès à tout. Il a accès à tout ce qu'on lui a donné. Y a pas de problème de séparation, c'est quoi le délire? Quand même fou cette histoire. Je suis dans le RER. Incroyable. Du coup, comme tu bouges, ça va pas arrêter de couper. Quoiqu'un vendredi soir, oh, je sais pas. La qualité du réseau, des réseaux mobiles en région parisienne peut être très, très aléatoire. Bon. Est-ce que, tout hasard, hop, on est sur la dernière release. C'est quoi le message d'erreur? Qui est notre release user list. Là, par contre. Ah, bah tiens. Les mille qui disent qu'ils n'ont pas de problème avec Terraform 2.9.11. Ouais. You must attach a role to the token. Ben non, c'est bon. Non, c'est l'inverse. Le mec il dit si tu coches la case, là clairement il dit si tu coches la case, le token va avoir les permissions de l'utilisateur. Donc c'est pas le cas. Moi j'ai comportement inverse là, donc c'est un peu chelou. Donc c'est un bug avec le provider. D'accord. Oula. Ok. Bon, on va se mettre un 2.9.11, hein, puis on va arrêter de... Arrêtez de niaiser. Hop là. Hop. On va faire ça. On va... RM.point.
Form.lock. Maintenant, on va refaire un init. Number is required. Ah bah alors là, c'est génial. Number is required. Non, pire moi ça. Oh, pire ça aussi. Dans la partie 10. Eh ben. Slot égale 0, size. Ah! Alors... Il m'a vraiment mis ça dans le chat. Bon, c'est pas grave, on s'en remettra. J'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Par contre. La doc. La doc pour la version 2.9.11. Pour la partie disque. Size string, excuse-moi. C'est pas ça. C'est à cause du slot. Ça lui plaît pas. Seems to be deprecated, not used. Bon. Ah, raté, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi j'ai plus le... D'accord. Ok, bon. Putain, ça nous avait pas fait chier la dernière fois, mais alors là... Ok. Bon, alors, on l'a revenu là-dedans. Par contre, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était ça. Et là, ce qu'on veut, c'est Debian. Donc, il y a un problème avec la dernière version du provider. Bon, on est vendredi soir, je verrai plus tard. Qu'est-ce qu'on a? Alors, donc j'avais dit, oui. Ah, avec tout ça. Donc la dernière fois, le premier déploiement qu'on avait tenté de faire, c'était sur du Debian. Et on avait fait deux tentatives. C'est pour ça que j'ai deux templates Debian. Quoi, PVE, une fail, name or service. Propose quoi? Oula, il y a un délire avec les machines. Là. Ah! Intéressant ça.
Pourquoi ils trouvent pas les machines? Il galère sur des trucs. Alors, comme quoi. Ah, il y a un truc de pété là. Il ne trouve plus les machines. Maintenant qu'on a redémarré. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Évidemment. J'ai fait ça. Quel enfer. Pourquoi ça veut plus? Surprenant ça. Ah, mais j'ai plus rien qui marche en fait là dans l'interface. Ah. Non, là c'est bon. Là, si je fais ça. Ouais, là il me sort un. Ah.
D'accord, je comprends mieux. On va être violent, hein. Qui nous dit MK Stamp, c'est quoi ça? Opération note permit-il? Monter avec du fuse? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, du coup. Ouvre le vent de configuration de file. Ouais. Alors, les mecs ont pas eu l'air d'avoir de problème pour le move. Je crois que ça date de quand? De l'année dernière, oui, donc a priori c'est ça. Alors, dis donc, lumière a baissé, on voit plus. En même temps, j'ai démarré tout à l'heure, il y avait encore grand soleil dehors. Hop là. Il me faut. Bah du coup, c'est bien ça. Hein. Je fais un CP-R. Yep, plutôt. Si on fait ça. On fait ça. Là-dedans, il n'y a rien. Alors, si je fais tilde slash etc. PVE, il me serve. Non, slash node. Slash PVE, slash QEMU serveur. Il conf. Là, il me dit que le fichier, il existe déjà. Il est sérieux? Elle est géniale, celle-là. Si je fais 1000.conf, il est vide. Ouais, c'est du fort, hein, t'as vu? On est sur du truc de champion. Où est-ce qu'est-ce que j'avais? Ah, attends. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, on va repartir là. Le TCPVE, il est là. Sauf que. Pareil qu'on va pas le voir là. Bah oui, non? J'ai bien deux dossiers.
Ou alors ce serait lié à un problème d'interface. Oui, non, les certificats ont bien été régénérés, mais... Voilà, il faut... C'est quoi? Je bute les PV de mon... Truc bourrin, mais on sait jamais. Non, ça n'a pas changé. Évidemment. Mais elle est forte celle-là. Tu seras rentré avant qu'il ait fini. Très drôle. Non mais je crois que j'ai tout cassé en fait. À changer de nom comme ça. Mais pourquoi? Elle est rigolote, mais... Là c'est la même. Ah. Lui qui foutrait la merde. J'ai redémarré. Ah. Oui, non, mais d'accord. Savoir ce qui s'est passé.
Quoi? C'est pas possible, cette histoire. Non, avec des problèmes de start. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pète un câble. La malédiction du vendredi. Ouais. Voilà, j'ai fait un truc qui était censé être simple. Même la doc te dit que c'est simple. Et manifestement. Bon, on va tenter à la Windows, mais j'y crois pas. En fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le stockage qui a l'air d'être un peu chelou comme système, qui est un peu pété. Et du coup. Ça, c'est l'original qui dit que voilà, suffisait de copier les fichiers. Sauf que moi, quand j'essaye de copier les fichiers, il me dit qu'ils existent déjà. Et pourtant, quand je regarde dans le dossier, il n'y a rien. Ce qui est quand même magique. On est sur du. Ça sent quand même l'échec. S'il n'y a que ça, je réinstalle. Il n'y a rien dedans, donc j'en ai rien à foutre. Bonsoir, Dridri 054. C'est toujours la même. C'est toujours la même. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il j'ai l'impression qu'il essaye de faire. À la con. Parce que là, le QMU serveur, il dit que c'est node. L'échec n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Ah bah, je vais forcément apprendre un truc à la fin. C'est juste que ça va encore être douloureux. Ouais, mais en plus, c'est tout con comme fichier, hein. On est d'accord. Mais par contre, il continue de les chercher dans le PVE.
Toi, t'as bien appris un M serveur dans un... Ah putain, ça va me poursuivre ce genre de conneries. Hein. C'est comme le l'IP V4 avec un CIDR en slash 64. Pas mal, ça va non plus. Et d'ailleurs... Non, tout va bien. Attends, j'ai bien viré tous les trucs, le calos, le calost. Pimous. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Oui, il y avait ça aussi. Oui. Mais tout va bien. C'est bien beau tout ça, mais ça m'emmerde. Alors là, on a des délais. Ah. Ok. Yes. Ça c'est fait. If you stop the PVE cluster service, copie config DB to another machine. With SQLite Editor, la vache. Database defines the file system, files and folders. Each item has a parent item. Ok. Ah! Haha! Oh la vache! Ah ouais, c'est chaud. Oh, ça a l'air très con comme système. Ah oui, c'est très violent. Ouais, c'est ce truc-là. Ah oui, il y a toutes les infos là. Oh, la violence du truc. Ok. Oh. Même s'il montre le chemin avec le nouveau nom, dans la base de données, il y a quand même le chemin de l'ancien. Oh l'enfer. D'accord. Comment on peut faire du coup? C'est du SQLite. On va stopper le truc. On va sortir du dossier. J'ai fait quoi? C'était quoi le dernier stop? PVE cluster. Voilà. Du coup, il avait dit. .1.4 c'était var. Oh, j'ai des gros doigts là. Ça va quoi? Non, c'est quoi le nom du truc? Corrosive Cluster Engine. Est-ce qu'on va. Non, ça c'est mon premier truc. Varlib PVE. Cluster. Config. 20 dB. Ça. Hop. Faire ça.
D'accord, j'avais mis la clé, mais manifestement il l'a virée. Il a vraiment fait ça? Ah, il a viré le fichier. D'accord. Oh la vache. Le changement de nom, c'est violent en fait. Donc. C'était ça sur Reddit, hein. Tac, tac, tac. Est-ce que Light Browser? Oui, c'est ça, en fait. Hop. Install SQLite Browser. Voilà. Hop. On sudo. Taper trop vite. Voilà. Hop. Oh, c'est costaud. Et du coup, je pense que je vais être obligé de... Je sens que je vais laisser tomber. Pour Debian ce soir. Ça va être chiant. C'est rigolo parce que mine de rien, ça m'avait jamais fait chier avant. En même temps, j'avais jamais tenté de changer le nom d'un nœud. Mais je note bien. Donc, du coup, si je fais SQLite Browser. Ah, slash /config/db, il va nous faire ça. libqt5 core. Il se fout de mes gueules là. C'est-à-dire qu'il installe le paquet. libqt5 XML. C'est quoi ce truc là? Manifestement, c'est pas la première fois que ça arrive. On s'en fout. Et merde. Bon. C'est quoi? C'est remove section machin note abi tag. Bon allez, on va être violent, on va faire le truc. Hop, on va faire ça. Et on fait ça. C'est bizarre. Ah, effectivement, ça marche. C'est dégueulasse. Bon, WSL1. Hein. Bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Quand je serai motivé. Il est quelque part. Pas si loin, j'ai le SSD sur lequel j'ai l'installation de Windows 11 qui était fournie avec le microserveur. Et donc mon PC devrait passer à Windows 11. Juste, je sais pas trop quand. Alors, parcourir les données. Vas-y, ouvre-moi grand ça. Alors, tac, tac, tac. Là, on a des trucs. 1,44, 2,44. Alors, ça, c'est la table de tri. J'ai qu'une table dans le machin. Ah, là. Alors, là j'ai le contenu des fichiers. Inode parent. Ok. Ah ouais, chaud. Sauf que parent, j'ai un ID. Alors, du coup, je fais comment? Comment on fait pour savoir?
Là, si on prend le truc, 12. Alors, 0, l'inode 0, ok, d'accord. Ensuite, on a node 12, PVE. QEMU serveur. Et donc là après, on a le contenu des fiches qui sont là. Smil.conf, hein. Et donc ça c'est bon là. Bon, c'est des références à PV là-dedans qu'il faudrait. Ah, c'est ça. Node PVE. Et là, il faudra le renommer. C'est lui qu'il faudra renommer en Pimousse. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a été capable de régénérer les autres sans poser de problème. Donc là, il faudrait mettre Pimousse. Donc là, le config a changé, d'accord. Là, si je fais ça. Non, mais. J'ai un truc qui fait 61 440. Là, il me fait 61 440 aussi. Et pourtant, je l'ai bien enregistré. DST, c'est quoi ça? Daylight saving time. Bon, d'accord. Là, si tu la rouvres, la base, il me dit quoi? Il me dit qu'il a bien pris Pimousse. Bon. On va. Sauvegarder la base. On va renvoyer. Cool. Entière et sans s'être fait éclater. Oh, attends. J'ai vraiment fait ça. Ah, c'est bon. Donc c'est bien, il a bien changé. Du coup. Rsync. Il a vite en cherché des conneries. Oula, tapé beaucoup de choses. Voilà, du coup.
Il a changé. Pourquoi? Oui, putain, je suis con. Je sens que je vais même pas aller jouer à Horizon après, tellement je suis éclaté. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'il nous dit? Restart counter. Ok. Alors. Ouf. Ah oui, c'est... D'accord. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oh là. Rien, mais... Unable to open database, var lib pve cluster. Donc il n'a pas aimé. Found entry with duplicate name pimousse. Et d'accord, mais en même temps, c'était comme ça que c'était dedans. Ou alors je me suis raté. Alors. Du coup, on va relancer. Je le mets en dessous parce que c'est chiant. Pitié. Ah, mais il est là. Il l'a créé là. Ah oui, donc en fait, d'accord. Donc là, il faut que je remette PVE. En fait, c'est le parent là qu'il faut que je change. Ici. Faut que je mette 17 000 machin. Non, c'est 17 000. Ouais, c'est celui-là. C'est le QEMU serveur. Voilà, de parent de QEMU, de Pimousse. Donc, il faut que j'utilise ça. Et que je le mette là. Alors, erreur lors du changement de données, check constraint fail, tri. Quoi tri? J'ai rien touché. Ou alors, il faut que je rajoute des entrées. Je duplique les entrées en les mettant en dessous. Le problème, c'est le filtre, là. La version, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je ne sais pas comment le corriger. Ou alors je bute tout ce qui apparaît là. J'ai un peu peur. Coche pas. Ah oui, puis il y avait la clé là. Ah mais même ça, il l'avait pris en compte. D'accord. Putain. Ça s'est appliqué. Ensuite. Là, si je fais ça. Ah, il n'en veut pas. Comment je peux faire, du coup?
Bon marteau-piqueur, ouais. Ouais, ça c'est... Bon. Pas évident, cette histoire. Vraiment pas évident. Je sais pas pourquoi. Mon problème, c'est les histoires de numéros de version, là. J'ai peur que... Alors, structure de la base. Le version, il fait quoi, lui? Integer, note nulle. Type of integer. On ne sait pas quel est le concept là-dedans. Tout à ferme. Hop. Il se fout de ma gueule. Intégrer primary key note nulle. Parent intégrer note nulle. Check type of parent intégrer. Intégrer. Intégrer note nulle. Type of parent intégrer. D'accord. Writer. Ça bouge pas. Intégrer. MTime. D'accord. Type inode intégrer note nulle. Ok. Parent. Type of parent intégrer. Oui, d'accord, tous les checks me demandent de mettre des nombres. Je mets des nombres. Ça marche. Non, c'est ça. Il saute ma gueule. Type actuel de données texte numérique. On est d'accord. Mode texte. Je pense que c'est que ça. Je le tape à la main, il y a un problème avec le... donc on avait dit que c'était quoi? 1777. Et là, ça marche pas. Temps de data, c'est du blob. Donc ça ne bouge pas. Fort de café celle-là. Ouais, bon. Ok. Ça sent le petit abandon quand même, j'avoue. Ça me gave un peu. Ce qui m'emmerde surtout, c'est que ce truc-là fonctionne comme ça. Ouais, non, mais je sais, mais... Moi aussi, j'aurais bien aimé réparer. C'est surtout que là, mon cerveau n'arrive plus à fonctionner parce que je suis vraiment éclaté.
Donc je pense que je vais abandonner là. J'ai le concept. C'est-à-dire il faut que je trouve comment modifier la base de données. Pourquoi il veut pas là, j'en sais rien, ça me saoule. Donc là, il dit bien texte numérique, y a pas de souci. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi il veut pas. Parce qu'après, il dit juste que ça doit être note nulle et ça doit être un intéger. On met un numéro, intéger, et ça marche pas. Le message est particulièrement peu explicite. Non mais là le journal me fait rien, il est chiant. Pour mieux revenir. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais aller reposer le cerveau. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bruit là ce soir. Du coup, je me demande s'il bosse. Donc avec un peu de chance, je vais passer une bonne nuit. Après, soit je tente de le rattaquer. Pour essayer de trouver la solution de ce truc-là. Soit j'abandonne et je réinstalle et je me ferai pas chier. C'est pas si compliqué que ça, à la base. De le réinstaller, ça va vite, hein. On avait vu comment. Ah, c'est pareil, je m'étais pas préoccupé du stockage. Ouais. La dernière fois, on avait viré le LVM SYN et on n'avait pas retaillé le LVM global. Donc tant pis, on verra. Ouais, mais voir, je pense que je verrai demain matin. Et à la cool. Parce qu'en plus, j'ai pas besoin de ce truc-là de PVE cluster, parce que vraiment, il est pas prévu qu'il y ait plus d'un nœud. Donc, j'ai besoin de rien. Ça fait chier que ce truc-là soit activé par défaut. Ce que je peux comprendre en soi. Puisque le but du jeu, c'est que le jour où tu rajoutes un deuxième nœud, il faut bien que le stockage soit répliqué automatiquement et il vaut mieux que le setup soit déjà en place. Comme ça, rajouter un deuxième nœud, le stockage sera répliqué d'emblée, pas plus. Est sensible le micro? J'ai augmenté le volume en même temps. Hop. Bon. Eh bien, c'est un échec. C'est un échec. Je suis en train de m'endormir sur place. Du coup, on va. Pourquoi la caméra, elle est si sombre, en fait? Ah ouais! Ah oui, c'était vraiment mauvais. J'ai même pas fait attention. Pourquoi? Parce que l'exposition, elle avait été baissée. Et en fait, j'aurais dû être comme ça. Voilà. C'est malin, hein? Hop.
Tu peux monter le micro aussi. Mais j'ai déjà monté le micro. C'est encore trop bas? C'est chaud quand même. Ou alors... Ah, faut que je fasse gaffe. Bah non, normalement j'avais réglé le compresseur. Bon, faut que je refasse les réglages. Je sais que j'avais chopé la VOD de l'épisode précédent et pour la balancer sur YouTube, j'avais trouvé une bidouille à base de FFmpeg. De FFmpeg pour augmenter le volume avant de l'envoyer sur YouTube, parce que YouTube a tendance à baisser le volume des vidéos aussi. Vachement pratique cette histoire. Donc si vraiment on m'entend pas fort, ça m'emmerde un petit peu. Parce que j'ai déjà monté le volume. Je pourrais le monter encore, hein, mais après, faudrait pas. J'ai pas envie de casser les oreilles aux gens. Et faudrait que je sois. Faudrait que je fasse un truc. Notamment sur Twitch. Je sais pas, on verra. L'idée, c'est que je sois capable de m'entendre avec autre chose que le retour. En fait, il fallait que je coupe le retour de mon micro. Le retour local de mon micro, que je m'écoute. Ouais, je m'en doutais un petit peu aussi. J'ai dit que quand j'ai regardé la vidéo, je m'en suis rendu compte et c'était pas la folie. Comme c'était avant que je parte en vacances, et que là j'ai pas retouché au setup. On va voir. Il faut que je bidouille, mais je sais pas encore trop comment. Il y aura peut-être un live improvisé ce week-end. Pour tester ce genre de truc. Alors. Donc, ouais, on fera un debug de setup de stream. Parce que je m'entends super bien, moi. Mais après, on verra bien. Du coup. Je sais même pas quand je vais faire ça. Demain, j'ai trop de trucs à faire. Ce sera certes forcément dimanche si je fais ça. La fin du debug du Proxmox, je vais probablement me faire ça. Peut-être dimanche aussi. On verra. Sinon, je réinstalle. Honnêtement, je suis un peu la flemme. J'aimerais bien trouver la soluce. Juste pour la culture. Mais là, ça veut. Voilà. Enregistrer. Non, j'ai rien changé. Enfin, si, j'ai changé, mais c'est pas de solution. Donc voilà. Et du coup, est-ce que vraiment la semaine prochaine, on s'entête à faire le debug du Debian ou pas? Ou est-ce que je tente d'autres trucs? J'ai beaucoup d'idées. Il y en a certaines où je suis pas encore certain du setup. Genre le Nextcloud. Mon problème, c'est que j'aimerais l'installer sur le NAS directement. Pour me concentrer sur la configuration. D'accord, ok. Bah ouais, je te tiens au jus. Pour voir quand je me décide. Il y a peut-être un peu des trucs perso dimanche aussi avec de la famille à prévoir, donc je sais pas encore. Donc oui, je disais le Nextcloud. Voilà, j'ai mis quoi, pourquoi, comment. Le comment, ce serait surtout. Voilà, je voudrais l'installer sur mon NAS. Le problème, c'est que mon NAS, il est tellement vieux que. Non, en fait. Hein, voilà. Lundi est férié. C'est vrai? C'est vrai que lundi c'est férié. Le pire, c'est que j'ai coupé le réveil tout à l'heure. J'avais déjà oublié. C'est vrai que nous, on bosse pas lundi. C'est vrai que se faire un truc à la Sbeul pour tester le micro, ça se tenterait.
Ça se tenterait, ça se tenterait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est quoi? Ça... Oui, ça c'est un panorama plus large de ce que j'ai vu, parce que Nextcloud c'est une option de stockage de données perso. Enfin, de gestion de données perso. Il y en a d'autres. Le Twitchbot maison, c'est un peu violent. Ça va être du Python en plus, je pense. Ça va demander beaucoup de boulot. Ça clairement, je vais faire un peu de préparation avant de faire de la recherche de mon côté hors stream. Parce que je pars de très loin. Déjà, je connais rien à l'API Twitch, donc je sais pas comment ça marche. Faut se paver la doc. Après, il faut aller se paver du code. On verra. Voilà. Le Mumble via Podman. Bon. Pour la rigolade, tiens, pour Podman, j'ai vu l'annonce de Red Hat. Ils ont publié. Alors non, c'est pas ça. Hop, c'est ça. Podman Desktop. Donc, à la manière de Docker Desktop ou Rancher Desktop, ils ont créé Podman Desktop. Windows Mac Linux. J'irai pas jusque-là. Je pense pas qu'on en ait besoin. Je sais qu'il y en a certains qui sont intéressés par ce genre d'interface sur leurs outils. Peut-être qu'on fera une petite installation. Vite fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai. Alors, c'est dans Joplin, du coup, j'avais noté quoi? Oui, ça, faut que je retrouve la liste. Je suis dégoûté. Je pensais l'avoir déjà. À dispo sur soit sur le PC de jeu, soit sur le laptop, et en fait je l'ai pas. Donc faut que j'arrive à la réextraire d'un backup de mes données pro. Et quand j'ai voulu faire pendant les vacances, j'avais pas assez de place pour extraire le backup. Donc du coup je suis un peu nique pour l'instant. Il va falloir que je bidouille d'abord. Ça, c'est les tests, il faut que je fasse les graphiques pour les publier. Voilà. La synchronisation de Giti, je le ferai après. Voilà. Quand je remettrai ça en place. L'histoire du DynHost, donc pour ceux qui avaient suivi le premier épisode, ou le deuxième, sur GoDNS, qui au final n'a pas traité de GoDNS, puisque ça ne marchait pas avec OVH. J'avais en toute fin, après un deuxième échec avec du DD client dans Docker, réussi à déployer une petite image via le service Nixery dans Kubernetes. Donc l'idée, ça va être de reprendre ce prototype que j'avais fait complètement la one again en fin de live pour en faire un vrai dépôt. Je voulais qu'on aborde la création d'un chart Helm basique, voilà. Parce qu'il s'agit juste de déployer un cron job et un secret et un config map éventuellement. Je me souviens plus ce que j'avais fait. Et du coup, ensuite de configurer la mise en place de miroirs sur GitHub et sur GitLab. Notamment parce que maintenant il y a des fonctions natives pour le faire. Voilà. Donc on sera peut-être ça, parce qu'en vrai c'est le seul service qui va me manquer vraiment quand je vais éteindre l'ancien microserveur, qui du coup ensuite va finir en media center. Parce que tant que je suis chez moi, le rebond SSH pour l'instant, il peut rester éteint pendant quelques jours. Le temps que j'en refasse un,
avec du raspi. D'ailleurs, je m'étais posé la question. J'ai retrouvé. Oh, bordel. Ouais. Le Raspberry Pi, première génération. Alors ça, c'est un boîtier du Raspberry Pi. Si je veux le sortir. Hop là. Le vénérable Raspi 1, qui est toujours vivant. Pour tester qu'il était toujours vivant, j'ai refait une install d'un Librelec, le dernier qui était supporté. Il est lent du cul à démarrer, mais il marche. Du coup, je me dis, pour simple besoin SSH dans l'immédiat, ça peut marcher. Le seul problème, c'est l'interface réseau. Si jamais je veux passer par du SSH pour faire des transferts, ça va être compliqué. Parce que bon, l'interface Ethernet sur les Raspi 1, pour ceux qui se souviennent, je crois que c'est même pas, c'est de l'USB 2. En fait, c'est l'Ethernet et raccordé à de l'USB 2. Ce qui fait que dans la pratique, on a de l'USB qui est limité à 480 mégabits seconde. En théorie, sauf que c'est la même interface qui va me faire l'entrée et la sortie. C'est-à-dire qu'il va prendre le trafic qui vient de l'extérieur pour le renvoyer sur la cible. C'est pas un routeur, quoi. Et du coup, ça pique très fort. Donc si on veut faire des gros transferts de fichiers via du SSH, Rsync, SCP, ce que vous voulez, tant que ça passe par le protocole SSH, ou même via une interface web quelconque, hein, tant que c'est ça, faut considérer que ça va être très lent. C'est pas fait pour du gros fichier. Après, sinon, ça marche. Pour de l'administration en ligne de commande, c'est largement suffisant. Et pour l'instant, parce que ça, c'est le premier modèle, hein, on parle d'un monocœur ARM 32 bits, 32 bits, pardon. À 800 MHz, monocœur, pas un foudre de guerre. Et il est toujours supporté pour l'instant par le Raspi OS. Donc bon, on pourrait éventuellement, voilà. Mais comme je vais récupérer le Raspberry Pi 3, du coup, une fois que j'aurai mis l'ancien microserveur en Media Center, bah en vrai, j'ai pas besoin de m'embêter, voilà. Bon, ça c'est, voilà. C'est les petites évolutions de l'infra. Et du coup, voilà, j'ai besoin pour le DinHost. Le DinHost, pardon. Puis sinon, après, il y a un gros morceau. Il y a un gros morceau, c'est celui-là. Celui-là, mon cluster Kubernetes, il a très très peu de maintenance, voire pas du tout. Je suis toujours en 1.21. Le trafic est toujours en 2.6, je crois. Voilà. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qui vont pas. Et du coup, enfin voilà, j'aimerais pouvoir installer un vrai plugin réseau. Donc du coup, il y a la doc Calico pour installer sur du K3S. Voilà. Pour avoir du vrai clustering, notamment pour la partie load balancer, je vais installer MetaLLB, à installer après Calico. Voilà. Et une fois qu'on a ça, réinstallation de trafic depuis le chart L, parce que là j'utilise des manifestes maison et qui sont une tonne à maintenir. Comme je suis un gros flemmard, chart L, une charte communautaire, il est largement. Voilà. Et par contre, après, comme je désinstalle tout et que je réinstalle, il faudra que je repasse sur mes applis pour refaire mes ingress route pour la nouvelle config. Rien que ça, déjà. Tout sera pas fait dans la même soirée, je pense pas.
si déjà. Bon, désinstaller TreeFix, c'est pas long. Montée de version Kubernetes. Là, je sais pas. Je sais pas, faut que je fasse attention. Il y a des applis qui sont déployées avec du chart Helm. Il n'y a pas longtemps, au boulot, j'ai eu des soucis avec des charts Helm qui dataient un peu. C'était du chart custom pour des applis clients. Hein. Contenait encore dans l'historique. Ouais, je vais m'amuser. Qui contiennent. Donc les charts contenaient des API. L'historique du chart contenait encore des API groupes qui n'existaient plus, parce qu'on avait monté de version les clusters. Quand les développeurs se sont réveillés beaucoup trop tard et qu'ils m'ont fait une livraison, bah ça voulait plus livrer. Parce que quand ils cherchaient dans l'historique, ils trouvaient des trucs qui n'existaient plus. 2 heures la première fois pour trouver la solution à ce problème-là sans désinstaller le site pour le réinstaller zéro. Parce que surtout en début d'après-midi, on n'a pas spécialement envie de faire une interruption de service. Le brouillon est en cours de finalisation sur le blog, il ne devrait pas tarder à sortir. Faut juste que je m'assure que j'ai bien nettoyé tout ce qui permet d'identifier le client. Parce que comme je ne lui demande pas la permission, vaut mieux pas. Je me suis déjà fait avoir une fois sur un graphe. C'était sur un problème de performance de PHP. Ça remontait très loin. J'ai laissé le nom d'une machine, le nom réel d'une machine sur une des images. Hop là. Alors, si je mets trop de LED, ça va pas marcher. C'est pas ça. Il est vieux, hein. Article. Je sais plus de quand il date. Mince, sur du PHP, on va mettre ça plutôt. Code malveillant, méthode, PHP brew, PHP slowlog, cas d'optimisation PHP. Ah oui, d'accord, c'est celui-là. Ah oui. Ah oui, c'était ça. Ok. Voilà. Donc là, j'avais laissé le nom de la machine dans le graphe. C'est le seul truc où j'ai vraiment fait une connerie, voilà, où il y a moyen éventuellement d'identifier le client à partir du nom de la machine. Même si c'est pas forcément trivial là. Mais bon. Après, vu que c'était pour dire quelque chose de positif sur la machine. Ok, bon bah voilà. Sur ce, je vais aller me pioncer. Profiter du fait que il n'y ait pas de bruit cette nuit pour rattraper 2-3 heures. Et puis, bon, on se tient en jus pour lundi. On va dire lundi, ouais, comme ça, dimanche. Comme ça, dimanche, je vais pouvoir mongoliser sur. Sur Horizon. Horizon Forbidden West. J'ai regardé mercredi. Je l'ai lancé samedi soir le jeu. Mercredi, j'étais déjà à 22 h. 2 heures de jeu. C'est complètement grotesque. J'adore ce jeu. Pourtant, il a des problèmes. Hein. Des trucs plus énervants que dans le premier, d'ailleurs. Mais bon. Ils savent aussi bien raconter l'histoire graphiquement. PS5. Prendre une double claque chaque fois qu'on découvre une nouvelle zone. Et du coup, je sens que. Ah oui, bah le premier, j'y ai passé 99 heures. Et la seule chose que j'ai pas fini, c'est l'émission chasse. Et c'était la Complete Edition, donc c'est-à-dire que je me suis tapé l'extension en plus. Bon, là, comme.
extension, généralement, si c'est comme dans le premier, en termes de niveau de jeu, il fallait au moins avoir fait les trois quarts du jeu. Faudra que tu nous racontes. Alors, le premier, je pourrais le raconter, parce que le jeu, il a maintenant... Quand est-ce qu'il est sorti, le premier Horizon Zero Dawn? Alors, bon, pas de solution. 2017. Bon. Est-ce qu'au bout de 6 ans, on peut se dire qu'on peut raconter l'histoire? Que ça, tu vois. Quand tu viendras au bureau. Oui, parce qu'a priori, il y a peu de chances que tu y joues, c'est ça? Donc oui, je pourrais te raconter le truc. Mais là, comme le 2, il vient de sortir, on va peut-être pas trop... Après, bon, oui. Parce que si c'est comme moi, là, j'ai pas voulu attendre. Donc le jeu, il est sorti l'année dernière. Et j'ai craqué quand les PS5 étaient dispo à Noël. J'ai banqué. Et j'ai dû banquer fort parce qu'à l'époque, c'était encore que des packs. J'en ai eu pour quasiment 770 balles, un truc comme ça. Ou j'ai God of War Ragnarok aussi. Le problème, c'est que bah, pour faire God of War Ragnarok, faut avoir fait, faut avoir fait God of War avant le précédent. Pas forcément les trois premiers, mais au moins celui qui est sorti en 2018. Et je l'ai pas encore celui-là. Donc, j'ai pas encore commencé. Petit problème, c'est que sur PC aussi, j'ai encore des trucs à la bourre. Et généralement, j'ai tendance à attaquer des jeux 2-3 ans après leur sortie. Là, celui-là, non, j'ai un peu craqué. J'ai encore du Tomb Raider à la bourre, j'ai... Bibliothèque Steam, c'est incroyable. J'ai encore acheté d'autres trucs aussi entre-temps qui vont me prendre un certain temps aussi. Et là, Horizon, quoi. En fait, il faudrait 4 vies pour faire tout ce qu'on veut faire. Un peu toutes les bidouilles, les jeux, les bouquins. C'est incroyable. Beaucoup trop de choses. C'est dans le premier Batman où le Joker disait tellement à faire et si peu de temps. En découpant les visages des photos. Bon, j'en suis pas encore à ce niveau-là de folie. Mais l'idée est là, quoi. L'idée est là. Bon, sur ce, bonne nuit à tous. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour ceux qui sont passés et qui ont laissé un ou deux des messages, ou plein de messages. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!